15 800 000 $ américains, c'est montant au protocole d'accord ministère affaires étrangères à gouvernement taïwanais signé jeudi mardi 9 juillet 2013 là pour capable reconstruire bâtiment pour cassation. Cérémonie c'est là t'est déroulé en présence ministre affaires étrangères Pierre Richard Casimir, ambassadeur taïwanais Bang Ziliu et président pour cassation Anel Alexis Joseph. Chancelier haïtien fait connait signé ce protocole d'accord ça, c'est un nouveau témoin qui garantit relation pays Taïwan avec Haïti. Et puis, c'est une nouvelle étape pour le lancement appareil judiciaire qui a changé les conditions magistrales de travail. Cette nouvelle enveloppe financière de 15 800 000 $ américains destinée à la construction des locaux de la Cour de cassation est une nouvelle preuve de l'engagement solidaire du gouvernement taïwanais aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien. La cérémonie de ce matin est un nouveau témoignage. L'excellente qualité des relations qui lient la République d'Haïti à la République de Chine, Taïwan. Elle participe des efforts visant la reconstruction et la remise en fonctionnement normal de tous les bâtiments publics détruits dans le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. À travers ce mémorandum d'entente, les deux gouvernements manifestent une fois de plus leur engagement en faveur de la consolidation et de la promotion de l'état de droit en Haïti. C'est une nouvelle étape dans le processus de renforcement du système judiciaire et d'amélioration des conditions de travail des magistrats haïtiens en droit ligne de la vision globale du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, traduite dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ambassadeur pays taïwanais Bang Ziliu déclaré c'est un événement exceptionnel qui prouvait gouvernement haïtien a bataille pour tablier une vraie démocratie en dedans pays d'Haïti puisque c'est un renforcement institution yo bon gens démocratie en chita. Diplomate taïwanais a fait quoi amitié en deux pays yo c'est respect pour gestion institution yo ak défendre la loi qui c'est fondement toute démocratie. C'est un événement exceptionnel pour nous malgré que nous ayons constamment accompagné le peuple et le gouvernement haïtien dans cette lutte qui mène pour la démocratie, le progrès et la paix dans ce beau pays. Il est exceptionnel parce que le peuple et le gouvernement de la République de Chine appuient ainsi la volonté du gouvernement haïtien de se doter d'institutions fonctionnelles seul capable de renforcer et de pérenniser la démocratie. La Cour de cassation est le pivot de l'institution judiciaire. Il a fallu du temps et le réalisme politique du nouveau gouvernement. Ministre Pierre-Richard Casimir, quelle importance pour gérer la construction du bâtiment de la cassation a gagné pour le gouvernement Matéli Lamotlan? La construction du bâtiment de la Cour de cassation révèle une importance particulière pour l'administration Matéli Lamotlan. Sa réalisation grâce au financement de la coopération taïwanaise représentera sans conteste une nouvelle pierre dans la voie de l'édification de l'état de droit, l'un des axes prioritaires de l'action gouvernementale qui part une meilleure distribution de la justice. À quoi ça, c'est suite à un premier accord qui était signé entre autorités de pays dans l'année 2012, qui était visé pour évaluer bâtiments publics qui est écrasé dans le tremblement de tête du janvier 2010, il y a une façon pour reconstruire. Moïse Jean, Télémax.